Ben bonjour, je m'appelle Aymeric Bellet et je suis chef pâtissier au Sofitel depuis 2 ans un peu plus. Et donc je m'occupe de toute la pâtisserie et pour les breakfasts ainsi que pour les outlets et pour l'italien, le restaurant italien, le japonais et principalement pour la coupole. Alors, je suis originaire de Compiègne, dans l'Oise, et oui, j'étais apprenti à l'âge de 16 ans, en boulangerie. Ensuite, j'ai fait un bac pro alimentaire, option traiteur. Ensuite, j'ai été ouvrier pendant 2 ans. Ensuite, je me suis installé dans le Loiret, entre Gien et Montargis, pendant presque 10 ans. Et ensuite, je suis venu ici en vacances, et j'ai décidé de venir au Cambodge. Et ensuite, au bout de 6-7 mois, j'ai créé une boulangerie à Siem Reap. C'était de ça en 2014 et tout allait bien jusqu'au moment où on a eu le Covid. Et ensuite, je suis rentré en France pour quelques mois et je suis revenu travailler pour le Sofitel. C'est un concept d'accord d'élever le croissant à son plus haut niveau. Oui, en plusieurs déclinaisons. Notamment dans le salé et dans le sucré. On peut aménager avec différents types de ganache ou de diplomate des crèmes légères. On utilise aussi du bon beurre de France, 84%, et la farine aussi. On met en avant les produits locaux et les produits saisonniers. Comme exemple, la vanille de compote et aussi le poivre qu'on peut retrouver dans les salés pour la charcuterie. Ici, nous avons le goat cheese français de Touraine avec le copa. Et aussi le saumon fumé avec la mousse de saumon. Ici, nous avons le diplomate pistache et le confit de fraises. Vous voyez ici, le chocolat, du cacao cambodgien. Et ici, donc, vous pouvez trouver le croissant pur beurre